ça lave comment le savon? Alors, tout à l'heure, rappelle-toi, tu avais les mains sales. Alors, on va imaginer que la saleté qui était présente sur tes mains, c'était du poivre. Regarde, je vais mettre du poivre dans cette assiette. Alors, quand on se lave les mains sans savon, voilà ce qui se passe. Tu observes? C'est rien passé du tout. Maintenant, on va essayer, cette fois-ci avec quoi? Du savon. Oui. Ça s'est repoussé tout autour de l'assiette. Eh oui. Tu te rappelles de la saleté que tu avais dans tes mains tout à l'heure? Oui. Imaginons que ce soit ça. Ça, c'est une molécule de savon. La tête, elle est hydrophile. Elle aime l'eau, mais pas le gras. Et la queue est hydrophobe. Elle aime le gras, mais pas l'eau. La queue, elle aime le gras. Alors, elle va venir se coller au niveau de nos graisses. Comme ceci. À la fin, du coup, autour de la graisse est emprisonnée, et il ne reste que les parties du savon qui aiment l'eau. Et oui, et du coup, lorsque tu vas te rincer les mains, cette eau-là va partir au rinçage avec tes graisses et tout va s'en aller. Lorsque tu t'es lavé les mains, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'on a vu lors de notre expérience avec l'assiette. Par exemple, quand on a utilisé l'eau, ça n'a pas marché. Et quand on a utilisé le savon, les saletés sont parties. Eh oui.